Bonjour tous mes chéris. Bonjour à toi, le chéri, qui est sûrement en train de siroter quoi? Un café? Une bière? Pour regarder la vidéo? Et toi, ma chérie? Absolument fabuleuse, puisque t'es une chérie, t'es une gazelle, hein? T'es belle, donc détendue, souriante, hein? Et puis il faut, hein? On s'accroche. Parce que ces temps-ci, il faut vraiment qu'on s'accroche tous, hein? Oui, qu'on fasse gaffe, hein? Parce que ce coronavirus, il commence franchement à nous pomper l'air. Hein. Mais vraiment, vraiment. Hein. Même si je suis loin, même si je suis au soleil, je fais attention. Les mesures classiques d'hygiène, se laver les mains avec du savon jusqu'aux poignets, ben je le fais. Parce qu'après tout, personne n'est à l'abri. J'ai pas envie qu'on postillonne dans la figure en temps normal. Mais alors maintenant, avec l'autre, là, le coronavirus qui traîne, j'ai encore moins envie qu'on me postillonne dans la figure. Donc, une motivation de plus. Bon, on fait gaffe, mais on garde le sourire, hein. On garde le sourire, ça sert à rien de se renfrogner à cause d'un virus qui vient nous emmerder, hein. Voilà. Bon. Allez, on dégage le virus, parlons de choses quand même plus sympathiques. Où est-ce que je suis? Toujours au camping. Mar-Ménor, de Mar-Ménor. Je te ferai une vidéo, ou peut-être deux, parce qu'il y a beaucoup de quoi parler sur ce camping. Si tu regardes, pour l'instant, eux se sont référencés en aire de camping-car sur Park4Night. Il n'y a pas beaucoup d'informations encore concrètes. Moi, je te parlerai de ce qui se passe actuellement et du futur proche de ce camping qui est en pleine naissance, on va dire, ou renaissance. Oh sinon, j'avais prévu de rester seule, de me poser seule, ça tu le sais. Et puis finalement, les imprévus de la vie, mais c'est bien parce que ça te montre encore une fois que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans ce cas-là, ben, oui, j'aurais pu prendre mes jambes à mon cou et puis quitter les abonnés ou rester avec eux. Donc j'ai fait le choix tout à fait logique pour moi, naturel, c'est de rester avec eux, de vivre des choses avec eux, de discuter, de rire, de refaire le monde avec eux. J'avais pas prévu et j'adore cet imprévu, ça fait du bien. C'est autre chose que ce que je pensais. Décidément, il faut rien que j'écrive sur l'agenda dans le futur, même dans une semaine, parce que ça se passe jamais comme je prévois. Donc bon, la seule chose que je veux absolument qui se passe dans le futur, c'est retrouver Chrissa pour continuer l'aventure. Hein. Ça c'est sûr. Ou sinon le reste, eh ben, rien n'est écrit. Là aujourd'hui, eh ben justement encore un imprévu qui m'est arrivé. Un bel imprévu, une première fois, vraiment une première fois, qui m'a beaucoup, beaucoup fait plaisir, qui me fait toujours plaisir, qui m'a rendue très, très nerveuse. Je reconnais qu'avant de grimper sur l'engin, j'étais très, très tendue. Mes complices du moment, JR et Pascal, m'ont aidée d'un regard bienveillant. Ils m'ont conseillé. Ils se sont bien moqués de moi. Ils ont bien raison. En tout cas, on a bien ri, j'ai bien ri. C'était une très très belle journée. Malheureusement, des défauts de technique, hein, parce qu'après nous sommes allés au marché. J'aurais voulu te faire voir vraiment un peu plus les prix, les produits, la beauté des fruits et légumes. Mais la technique n'a pas voulu suivre. Il y a des cafouillages, des taquets, comme d'habitude. Donc samedi prochain. Normalement, je vais de nouveau à ce marché et normalement, je filmerai un petit peu plus en détail la beauté de ces fruits, légumes et de l'ambiance du marché où il y a vraiment de tout. Il y a à manger, il y a des vêtements, il y a de tout, il y a de tout. C'est un grand, grand marché quand même. Hein. Oh sinon, quoi d'autre à dire? Ben, tu vas voir encore la complicité entre JR et Pascal. Moi, ça me fait très très plaisir parce que c'est vrai que ce sont des rencontres improbables. On se rencontre, ben, le premier but, c'était la chaîne,
de Krissa et de moi. Et puis finalement, ce sont des personnes qui s'entendent bien, ça me fait super plaisir. On passe de bons moments ensemble. Ensuite, je continuerai normalement seule. Et après, je parle comme ça, mais on ne sait rien du tout, hein. Je ne sais même pas, est-ce que demain, je vais y arriver à faire le peu que j'ai prévu. J'en sais rien. Bon, allez, je me tais, j'arrête de parler du futur. Je te fais voir tout de suite. Ah. À tout de suite. Là, t'as les phares allumés. Tant mieux que j'en vois encore plus. L'exercice, tu vas jusqu'à Alicante et tu reviens. Oui. Et là, tu pourras passer à la vitesse supérieure après. Là où il n'y a pas les pieds, c'est la tête du client. C'est ça le problème. Hein. Une casquette, c'est 5 euros, puis voilà. Et il voulait échanger lui contre la trottinette. Oui. La trottinette. Oui. 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 Elle est unique en tout cas. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Hein. Ouais, mais je pensais aussi sur YouTube. T'es sûr qu'il t'a dit ça? De quoi? Parce que moi je pensais autre chose. De quoi? Tu veux qu'on repasse? Tu pensais qu'il disait quoi? Ouais, il me draguait un peu, non? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais je dis pas tout. C'est en direct live. Il est assis sur le fauteuil. Il a vu le cassier arriver à fond la caisse. Il est allé directement voir ce qui s'était passé. Oh. C'était lui l'épouvantail. Ouais. C'était vraiment mais une bête de guerre. Hein, ah, les chats, ça sera. Quotidien classique du nomade, l'entraide. Là, c'est Pascal qui tente de sortir JR de ses cracas de télévision, d'antenne. Voilà, tous les deux sont en train d'essayer de trouver la solution.
Ça va, JR? À vous deux, vous allez y arriver quand même. Officiellement, Pascal est de JR. Mais bon, il a trouvé Cassie, la belle. Ha ha ha.